Vous êtes sûrement en train de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il s'emmerde à couper ça avec une scie sauteuse? Et vous n'avez pas tort. Il y a deux raisons. La première, c'est que j'ai une scie circulaire portative qui devient un petit peu dangereuse parce qu'elle s'éteint et elle s'allume un petit peu aléatoirement. Je pense qu'il y a un souci au niveau de la gâchette. Je suis pas électricien, donc ça, je peux pas le dire avec précision. Et la deuxième raison, c'est pour montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir un énorme matériel pour faire du bon travail. Ou du moins pour commencer à travailler. Là, j'ai un énorme plateau de chêne qui fait 75 mm d'épaisseur et je suis arrivé à le couper avec une scie sauteuse. Alors c'est sûr que j'ai mis 5 minutes, alors qu'avec une bonne scie circulaire, ça m'aurait pris 20 secondes. Mais voilà, quand on a un problème, on a toujours une solution, donc il faut s'armer de patience. Et croyez-moi, je pars de loin. Donc, ce chêne, il va me servir à faire une planche à fromage pour un restaurant gastronomique. C'est un restaurateur qui veut une jolie planche pour pouvoir présenter ses fromages à ses clients. Il la veut en bois de bout, sur un format de planche apéro, donc avec un petit manche, etc. Donc c'est quelque chose de vraiment atypique. En tout cas, c'est un projet qui me plaît, d'autant plus que c'est pour un restaurant, et pour un restaurant qui n'est pas très loin de chez moi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Cette planche, elle va être faite en chêne et en noyer.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me dire comment vous la trouvez en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!